crise politique en France, Emmanuel Macron a perdu son bras de fer avec son ministre de l'Intérieur. Le président a fini par accepter la démission de Gérard Collomb la nuit dernière. Après le numéro 3 du gouvernement il y a 5 semaines, c'est au tour du numéro 2 de quitter le navire. Le conseil des ministres se fera sans lui, alors qu'hier soir Gérard Collomb assurait rester en poste jusqu'à ce qu'on lui trouve un remplaçant. Il est prévu que le Premier ministre l'y assure l'intérim du premier policier de France. Soutien de la première heure du jeune Emmanuel Macron, Gérard Collomb avait dû présenter sa démission à deux reprises au chef de l'État, arguant qu'il voulait reprendre la direction de la ville de Lyon qu'il a dirigée pendant 16 ans avant de devenir ministre en 2017.